Mon départ s'est fait vraiment en dernière minute, donc j'ai su que le logement était loué, je l'ai su lundi, et donc le jour même j'ai pris le billet d'avion, et le mardi je suis directement parti vers la Lituanie. Tous les Erasmus qui arrivent dans les dortoirs ici à Kaunas sont obligés de rester seuls ou par deux durant 2 semaines. Donc, étant donné qu'on doit rester 2 semaines ici dans le dortoir, on peut faire les courses mais uniquement en ligne. On peut directement les commander sur le site Barbora et peu de temps après, elles sont directement livrées ici au dortoir. Donc il y a une personne de contact qui est à l'extérieur du dortoir qui nous fait les courses. Et du coup, qu'est-ce qu'on commande ? De la bière lituanienne. Cette bière est un peu l'équivalent de la Jupiler ou la Maas en Belgique. Au niveau de la vodka, c'est autre chose qu'en Belgique. Ils ont également une tradition pour boire la vodka. C'est prendre un shot de vodka suivi juste après d'un cornichon. Voici les dernières courses qu'on a reçues. Donc de quoi survivre un petit moment. Une fois par jour, nous pouvons commander un repas parmi toute une liste. Donc ça, c'est pour moi. Et ça, c'est pour mon ami. Nous avons déjà goûté quelques spécialités locales. Du coup, pour rester autant de temps, on fait plusieurs activités. Soit en jouant au beer pong. À défaut de table, nous avons mis juste deux bureaux l'un à côté de l'autre, histoire de faire la bonne distance pour le beer pong. Ou aux cartes. Et surtout, faire chier le français. Salut! 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 On laisse toujours un petit fond de musique histoire d'avoir une bonne petite ambiance dans le dortoir, histoire que ce soit moins monotone. Et d'ailleurs, on y est presque en automne. Un tout grand merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura diverti, qu'elle vous aura plu, mais également qu'elle vous aura instruite. On se revoit d'ici une semaine et je continuerai à vous expliquer le déroulement de notre vie ici. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Et comme on dit en Lituanie, skanaus.